J'ai rencontré mes frères dans le Seigneur. Amen. Dimanche. Amen. Je suis d'autant plus joyeux que le Seigneur est avec nous et au milieu. J'étais aussi dans la joie parce que lorsque j'ai été accueilli, j'ai entendu quelque chose qui a été dit ce matin. Et qui est en fait le message que Dieu m'a donné pour son peuple. Je me suis dit, comment se fait-il que le frère qui parle, il parle des mêmes choses que je vais parler ce matin. Je bénis le Seigneur pour cela. Le thème d'aujourd'hui, c'est que ferais-je en tant qu'enfant de Dieu? Que ferais-je en tant qu'enfant de Dieu? Nous tirons le message dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. De 1 à 13. Nous allons devoir nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 13. Nous allons lire au nom du Seigneur. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 13. Oui. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée. Nos filles, nous sommes dans le monde, mais nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux qui s'y livraient. De sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux. Qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple.
Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, il est important lorsque nous marchons sur la terre de toujours faire une bonne lecture du temps. Le Seigneur nous a donné les capacités de pouvoir connaître la lecture du temps. Mais il arrive que parmi les enfants de Dieu, plusieurs marchent comme dans la distraction. Plusieurs marchent non pas dans le temps de Dieu, mais ils veulent créer leur propre temps. C'est ainsi qu'il est important de savoir discerner ces choses afin que nous soyons à temps et dans le temps de Dieu. C'est ainsi que Jésus a posé une question à ses disciples dans Luc chapitre 12, verset 56. Quand vous voyez un nuage se déplacer, vous dites que la pluie va bientôt arriver. Mais pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Alléluia. Amen. Cette question se pose depuis des jours. Pourquoi est-ce que ceux qui sont avec Dieu n'arrivent pas à discerner d'eux-mêmes ce qui est juste? Dans Proverbes chapitre 28, verset 5, voici ce qui est dit. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Amen. Amen. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. C'est dire que ceux qui ont l'Éternel et qui cherchent l'Éternel ont cette possibilité de connaître et de comprendre le temps et de le discerner correctement. C'est ainsi que nous avons besoin de le savoir. Si nous n'arrivons pas à discerner le temps dans lequel nous nous trouvons, nous ne saurons pas appliquer ce que nous devons faire et ce que Dieu attend de nous. C'est ainsi que nous passerons servir le Seigneur. Mais nous serons complètement surpris lorsque Jésus nous dira: éloignez-vous de moi parce que je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé, il y a une chose qui plaît à Dieu en nous. C'est notre foi. Alléluia. C'est notre foi.
Dieu a voulu que nous ayons la foi. Pourquoi il dit mon juste vivra par la foi? La foi va nous permettre de pouvoir entrer dans ce contact avec Dieu. Mais aujourd'hui dans le monde, on voit vraiment qu'il y a même des enseignements des fois évolutives. La foi qui commence à évoluer. Nous connaissons une seule foi. C'est la foi biblique. Il n'y a pas d'évolution dans la foi. La foi peut grandir, mais elle ne peut pas changer de forme pour adopter autre chose qui n'est pas biblique. Nous ne pouvons pas adopter autre chose qui n'est pas biblique. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé, ça c'est un préalable que nous avons. Nous avons la foi. Nous avons la capacité de discerner le temps. Et le Seigneur a dit dans sa parole, j'aimerais que nous puissions lire ce passage dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, 10, nous lisons. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Dieu a déjà préparé pour nous d'avance les œuvres que nous devons accomplir. Nous n'avons donc pas à chercher de nous-mêmes. C'est ainsi que, bien aimé, pour terminer notre introduction, nous posons cette question. Que ferais-je en tant qu'enfant de Dieu dans ces temps-ci? Que ferais-je en tant qu'enfant de Dieu dans ces temps-ci? Lorsque nous revenons au passage de base, nous voyons bien que l'apôtre Paul est en train de s'adresser à une catégorie de chrétiens qui étaient engagés. Comme vous et moi, nous sommes engagés. L'apôtre s'adresse à cette série. Comme vous et moi, nous sommes engagés. L'apôtre s'adresse à cette série de chrétiens. Et il commence par dire, je ne veux pas que vous ignorez. Je ne veux pas que vous ignorez. C'est que dans la volonté de Dieu, Dieu voudra que nous puissions chasser l'ignorance de nos vies. Nous ne devons pas rester ignorants de certains concepts dans la vie chrétienne. Pourquoi les ignorer? Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Mais comment allons-nous pratiquer ces choses? C'est en nous conformant à ce que Dieu lui-même a dit. Il y a des gens par contre qui choisissent de rester ignorants. Ils choisissent de rester ignorants parce que ce qui leur donne la force, la parole de Dieu, ils ne la lisent pas. Ce n'est pas pour eux une obligation. Ce n'est pas pour eux une passion. Ce n'est pas pour eux une joie de lire la parole de Dieu. Ils veulent venir seulement à l'église dimanche ou le jour de prière. Ils écoutent la parole de Dieu. Mais quand ils rentrent dans leur monde, aucune construction de la vie bâtie sur la parole de Dieu. Ce sont ces gens qui ont choisi de rester dans l'ignorance.
le Seigneur vous dit, je ne veux pas que vous ignorez. Je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance. Mais que vous sachiez que ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils ont été sous la nuée. Comme vous et nous, un jour, nous avons été aussi baptisés. Ils sont passés à travers la mer avec Moïse. Bon, ils sont répondus à Moïse. Ils ont mangé le même aliment spirituel. Comme nous aujourd'hui, nous prenons la parole de Dieu, le même aliment spirituel. Ils ont été tous abreuvés du même breuvage spirituel. Comme Dieu lui-même a dit, ma parole va se répandre comme la rosée. La parole de Dieu nous arrose. Et nous sommes régulièrement arrosés par la même parole spirituelle. Nous sommes nourris à la même source. Comme ce fut ceux qui nous ont précédés. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes même construits sur le rocher qu'on appelle Christ. Nous sommes bâtis sur le rocher qu'on appelle Christ. Parce que la Bible dit, Dieu a mis une pierre en Sion. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé. Mais celui sur qui elle tombera sera écrasé. Bien-aimé, qu'est-ce que tu attends? Tu attends de tomber sur cette pierre pour être brisé? Ou tu attends que cette pierre tombe sur elle pour être écrasée? Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de grâce où chacun de nous a la possibilité de tomber sur cette pierre. Mais quiconque tombera sur cette pierre doit être brisé. On ne peut pas trouver un seul enfant de Dieu qui a cru au Seigneur qui n'a pas été brisé à moins que tu sois tombé sur un autre Christ. Mais le Christ biblique est celui sur qui quand on tombe on doit être brisé. Vous savez quand un vase se brise, ce vase ici, quand il se brise, il sera difficile de le reconstituer tel qu'il était. Même quand on le reconstituera, ça ne sera pas le même vase. De la même manière, si nous avons cru au Seigneur, nous ne devons pas être comme quand nous étions avant le Seigneur. Si nous avons les mêmes pratiques, la même vision du monde, la même considération des choses, comme quand nous étions avant de connaître le Seigneur, c'est que nous ne l'avons pas encore connu. Il est temps aujourd'hui de se décider. Tu as encore le choix, bien-aimé. Tu as le choix de tomber sur Jésus. Parce que c'est la première étape. Du temps de la grâce. Je ne veux pas que tu restes dans l'ignorance de cela. Mais je voudrais que tu avances en choisissant Jésus-Christ dans ta vie. C'est lui qui va te transformer. C'est lui qui va te briser. Ce n'est pas toi-même qui te brise. Tu ne feras pas les efforts de toi-même. C'est Jésus qui vient en toi et qui te transforme. Alléluia. Reste la parole. Il faut chasser l'ignorance, bien-aimé. La deuxième chose que je découvre de ce passage, c'est la grâce d'appartenir au peuple de Dieu. Bien-aimé, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas parce que nous avons donné à Dieu. Ce n'est pas parce que lorsqu'on mobilise les ressources pour construire l'œuvre de Dieu, je donne suffisamment de ressources que je deviens agréable à Dieu. Non, nous ne pouvons pas
flatter ni corrompre Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Il a dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ah, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Mais Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous, nous avons discerné que ce temps ici, c'est un temps où nous devons vraiment être en ordre avec Dieu. Tous les signes des temps continuent à s'accumuler pour que nous soyons suffisamment prêts, chacun en ce qui les concerne. Si Dieu a préparé pour toi des œuvres que tu dois faire et que tu n'es pas en train de le faire, sache que il t'attend là où il a voulu que tu sois. C'est pourquoi il faut discerner ce qui est juste pour que nous puissions marcher selon le plan de Dieu. Alors les choses que nous allons voir et détailler ici vont nous permettre de nous évaluer pour savoir s'il y a des choses qui nous empêchent réellement de discerner les bonnes choses. La responsabilité personnelle du chrétien est engagée ici. La vie chrétienne, c'est un engagement personnel avec son Dieu. Mais il y a également un engagement collectif. L'engagement collectif, c'est ce que nous nous engageons de faire en venant ici et en faisant également dans le monde. Aujourd'hui, l'Église semble ne plus être la lumière du monde. Peut-être, bien-aimé, c'est à cause de toi et toi seul. Parce que ta vie personnelle avec Dieu n'est pas en ordre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Nous allons voir ces choses qui sont des pièges pour l'homme et qui peuvent t'empêcher de faire ce que Dieu attend de toi. Le premier piège, c'est de ne pas être agréable à Dieu. Comme nous avons lu dans le texte, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Parce qu'ils périrent dans le désert. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte avec Moïse, la plupart n'ont pas été agréables à Dieu. Ils ont été nourris de la même nourriture, la manne qui est tombée du ciel. Ils ont bu au rocher l'eau. Ils avaient les mêmes possibilités pour pouvoir avoir confiance en Dieu. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Mais ça n'est fallu de très peu de choses pour qu'ils puissent abandonner le Seigneur. C'est ainsi qu'ils n'ont pas été agréables à Dieu. Ils ont manqué cette foi qui leur permet d'être agréables. Bien aimé, examinons-nous nous-mêmes. Si nous sommes encore dans la foi, est-ce que notre foi est encore agréable? Que personne ne se trompe. Que personne ne s'interroge. Que chacun de nous s'interroge en disant, est-ce que j'ai réellement la foi? Lorsque Jésus a posé la question, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Alléluia. Amen. Si Jésus a posé cette question, ce n'est pas une question banale. Parce que les temps se conjuguent en sorte que vivre la foi commence à devenir difficile. Mais le juste en Dieu vivra par la foi, quelles que soient les circonstances. Les exemples
exemples sont multiples, bien-aimés. Nous voyons Daniel, avec ses amis. Lorsque le roi leur demande d'adorer la statue, j'ai aimé leur réponse. Ils ont dit, nous n'allons pas adorer la statue. Parce que notre Dieu nous délivrera. Même si tu nous jettes dans le feu, même si Dieu ne nous délivre pas et que nous mourions, nous n'adorerons jamais la statue. Alléluia. Quelle déclaration de foi. Nous, dans les circonstances de la vie, dans où nous sommes, là où nous travaillons, dans tout ce que nous faisons, est-ce que nous manifestons la fidélité de notre foi à Dieu? Est-ce que nous faisons suffisamment confiance en Dieu? Ou bien nous nous arrangeons à aider Dieu? Dieu n'a pas besoin que nous l'aidions. Dieu veut que nous croyons en lui. Parce que nous n'avons pas la capacité d'aider Dieu. Nous n'avons pas cette capacité. Non, c'était seulement un peu, j'ai fait seulement comme ça, bon, Dieu va me comprendre. Bien aimé, beaucoup ne furent point trouvés agréables à Dieu et ils sont morts dans le désert. Dans la multitude des personnes qui fréquentent l'église, il y en aura aussi beaucoup qui ne seront pas trouvés agréables à Dieu. Je ne voudrais pas que ce soit toi qui écoutes. Prêche la parole. Le deuxième piège, c'est de ne pas apprendre les erreurs des autres. Ne pas apprendre les erreurs des autres. La Bible nous dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Afin que nous ne donnions pas le même modèle de désobéissance. Bien aimé, nous avons déjà entendu parler des gens qui ont renié le Seigneur, qui sont tombés, qui ont refusé de poursuivre la marche avec le Seigneur. Mais après avoir entendu ces choses, nous nous remettons sur le même chemin qu'eux, en train de refuser de servir le Seigneur, en train de refuser d'obéir au Seigneur, en train de faire les choses pour lesquelles le Seigneur les a éloignés de nous. Nous devons avoir une conduite avec circonspection. Parce que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins dans le monde. Il faudra que notre témoignage de chrétien soit comme une lettre écrite. Une lettre écrite pour l'une de tous les hommes. Amen. Alléluia. Est-ce que ma vie est une lettre écrite pour l'une de tous les hommes? Là où je vis, là où je suis. Quand je venais, j'ai dit à un collègue qui avait été formé ici à l'Institut régional de santé publique. Je lui ai dit que je suis à Cotonou, j'irai à Ouida pour visiter un peu, parce qu'on m'a parlé de Ouida. Il me dit, mon frère, là c'est le vaudou. C'est le monde du vaudou, mais je ne sais pas, là tu vas aller prier où? Vaudou, c'est tombé à la vie. Je lui ai dit, même là où il y a le péché qui est abondant, la grâce de Dieu sur la bombe. Il y a des frères et sœurs qui ont été cachés par le sang de Jésus. Et qui sont sauvés. J'irai les rencontrer. Tu as vu tes frères là-bas? Oui. J'ai mes frères.
Bien-aimés, rendez ma joie parfaite en continuant votre marche dans la vie. Quand je serai rentré dans notre pays, je dirai à cet homme, j'ai rencontré mes frères et soeurs. Et ensemble, nous nous sommes donné rendez-vous. Objectif ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le rendez-vous que nous nous donnons. Objectif ciel. Parce que tout ce qui est sur la terre est éphémère. Nous ne sommes pas nés avec. Nous ne partirons pas non plus. Le corps ici va nous trahir. Mais nous l'abandonnerons. C'est pourquoi nous nous encourageons à apprendre des erreurs des autres pour bien nous conduire avec cette. Le troisième piège, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Parfois, on croit que non, l'idolâtrie, c'est juste comme nos amis là de Vaudou qui ont les pitons et ainsi de suite. Ils disent, bon, ça, c'est une divinité. Par curiosité, j'ai posé quand même deux questions. J'ai dit, ah, c'est une divinité. Vous nous avez dit tout à l'heure. Il arrive. Mais comment Dieu meurt encore? Vous avez un Dieu qui meurt. Bonne question. La question est restée, bien sûr, sans réponse. Bon, moi je pense que Dieu, c'est Dieu ne connaît pas la mort parce qu'il est éternel. Amen. Alors si la divinité est le serpent, ça veut dire, si ce serpent meurt, en fait la divinité ce n'est pas ce serpent. C'est l'esprit qui est derrière le serpent. Et donc je dis, donc vous vous dites, c'est l'esprit qui est derrière le serpent. Vous dites aussi que Dieu ne meurt pas. Alors si cet esprit qui est derrière le serpent, je pose la deuxième question. C'est juste une question de curiosité. Si ce sont des divinités, c'est eux qui vous ont créé ou pas? Oui, c'est eux qui ont organisé la matière ainsi de suite. J'ai pas voulu lui demander les preuves. Mais je lui ai posé juste une question en disant, parce que je commençais à devenir désagréable. J'ai dit, bon, je vais poser une dernière question. J'ai dit, mais comment se fait-il que nous tous nous soyons sur une même terre avec mille divinités? Qui est ce Dieu qui avait créé en fait la terre et qui l'a organisée? Est-ce que tous les dieux se sont mis d'accord pour créer une seule terre? Ou bien chacun dit, je voudrais savoir parce que... Bonne question! Il y a quand même quelque chose qui marche. Moi j'estime qu'il doit y avoir un Dieu créateur qui gère tout et qui organise tout. Je me limite là. Bon, on n'a pas voulu entrer dans les détails, mais j'ai compris une chose, les gens ont besoin de Dieu. Amen. C'est un besoin. L'homme tel que Dieu l'a créé, il a une soif d'être avec son créateur. Et il n'y a pas un créateur aussi authentique, aussi fidèle, aussi clair, qui a détaillé la création, qui a détaillé les choses, qui a donné les prophéties, et les prophéties se sont accomplies comme le Dieu que nous prêchons aujourd'hui, le Dieu de la Bible. Amen. Amen. Nous avons étudié même scientifiquement. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire scientifiquement qui montrent qu'il y a plus de 400 prophéties qui ont été longtemps prophétisées sur le nom de Jésus-Christ et qui se sont accomplies sur lui. Amen. Pour montrer que
Le seul vrai Dieu et l'unique que nous devons adorer, c'est celui qui nous a créés, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Cela étant, nous devons toujours continuer à prier pour ceux qui sont dans les ténèbres, afin qu'ils aient la grâce et qu'en leur apportant cette lumière par l'évangile, nous puissions les aider à sortir du mauvais exemple pour s'attacher à Dieu. Amen. Amen. Nous ne devons pas devenir idolâtres. L'idolâtrie, ce n'est pas simplement pour, parce que j'ai dit vaudou. Vous savez, il faut tout si c'est nous pouvons être idolâtres de notre travail. Nous pouvons être idolâtres de notre beauté. Nous pouvons être idolâtres de nos enfants. Nous pouvons être idolâtres de nos biens. Lorsque nous aimons ces choses plus que Dieu, lorsque nous sommes prêts à abandonner toutes les lois de Dieu à cause de ces choses, il y en a qui disent le travail c'est mon père, le travail c'est ma mère, sans ce travail là je ne suis pas en vie. Mais tu as oublié que c'est quoi ce travail qui t'a donné le souffle. Si Dieu retire son souffle, quelqu'un d'autre viendra te remplacer dans le monde. On ne va même pas traîner. Dès que tu es tombé là, tu lis déjà la liste des gens qui vont te remplacer. Parfois même avant que tu expires, on te dit que c'est l'autre qui te remplacera. Ce n'est pas le travail que nous devons aimer plus que Dieu. Ce n'est pas non plus nos enfants. Oh, moi j'ai souffert pour avoir ces enfants. Chaque fois l'accouchement est difficile, c'est tous les moments. J'ai souffert. J'ai porté 9 mois cette grossesse unique pour cet enfant précieux. Moi on lui a même donné le nom de précieux. Cet enfant, on ne peut pas le toucher. N'importe qui mettra la main sur cet enfant, il me rencontrera sur son chemin. Vous êtes prêts même à fuir la prière parce qu'on vous a dit qu'à l'école, l'enfant n'a pas retiré le devoir. Je vais aller voir les enseignants pour résoudre ce problème. Dieu comprendra. Il y a des choses que nous faisons. Nous nous adonnons certainement à ces choses-là que nous sommes prêts à abandonner Dieu. Moi je me souviens, on avait un frère qui aimait tellement le foot. Et vous savez que pendant la Coupe du Monde, c'est les matchs de 13h, parfois 17h et 20h. Et c'est chaque jour pendant un mois. Et nous, on avait aussi des séances de prière, des semaines de prière. Le frère tient la tête, il dit, ah, frère, en tout cas, moi, le match là, ce match, je ne peux pas le rater. En tout cas, si, autant que je sois devant la place, si je suis à la prière là, ici, j'entends seulement les gens, ils ont marqué, donc mon cœur ne sera pas dans la prière. Frère, en tout cas, excusez-moi, Dieu me connaît. Moi, le match, je ne peux pas. Du tout. Ça, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie. On lui a dit, frère, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, dit l'Éternel. Et toi, pendant que tu dois chercher la face de Dieu, regarde un peu dans le monde entier. Il y a des gens qui sont en train de voyager. Peut-être par ta prière, tu vas empêcher un accident. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont en train de mourir sans connaître le Seigneur. Peut-être par ta prière, il y a un serviteur de Dieu qui arrivera et qui ne sera pas en retard pour leur prêcher la parole de Dieu en fait sauver. Par ta prière, il y a des multitudes de gens qui sont persécutés et qui ont besoin d'être appuyés par ta prière. Pour les toi tu choisis pour aller voir le match. Regardez juste le match. 90 minutes des gens qui courent derrière.
l'animal infini, tu viens. Et c'est l'œuvre pour laquelle Dieu t'a créé. Est-ce que Dieu t'a envoyé pour regarder le match, regarder les besoins dans l'humanité, les besoins qu'il y a dans le monde, dans notre pays, dans notre ville, dans notre quartier? Quels sont les besoins spirituels? Est-ce que nous ne pouvons pas prendre du temps de prière pour ces gens-là? D'être dans la distraction. Le frère Lovio a regardé. C'était douloureux. C'est pourquoi on a dit, si quelqu'un tombe sur Jésus-Christ, il sera brisé. Amen. Vous pensez que briser c'est facile? Briser ça fait mal. Si vous êtes dans le Seigneur, vous voulez porter plus de fruits. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il va vous émonder. C'est-à-dire que ceux qui sont des agronomes, quand vous avez les rosiers, pour qu'ils portent beaucoup plus de roses, on coupe la tête de la plante. Il y a même la sève qui sort. C'est comme une douleur. Mais cela est fait pour que vous puissiez produire plein de fruits. Amen. Vous pensez que le frère, quand il a pris la décision de ne pas aller voir le foot, il était à l'aise? Non. Il a souffert. Mais en fin de compte, il a accepté. Et une semaine après, vous aviez raison. Je ne sens plus rien du match. Je ne sens plus rien. Même quand je regarde comme ça, je passe. Je préfère être devant la face de Dieu. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui est idolâtrie en vous? Qu'est-ce que vous aimez qui vous empêche de demander à Dieu? C'est ça votre piège pour l'idolâtrie. Ne devenez pas idolâtre. Car les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Bien-aimé, ceux qui sont tombés dans l'idolâtrie, on dit, le peuple s'assit pour manger et boire et il se lève pour se divertir. Bien-aimé, ils sont devenus idolâtres. Ils se sont fait un veau d'argent et d'or pour pouvoir se rendre comme Dieu. Ici, on parle du manger et du boire. Vous savez que le manger et le boire occupent une place très importante dans la vie des hommes. Vous savez que la plupart des conflits qui naissent entre les hommes viennent du manger et du boire. Il est arrivé quelque part, on ne lui a pas dit, mais ces gens-là, ils n'ont même pas tombé à manger. Donc, c'est un peu bizarrement. Tout tourne autour du manger et du boire. Réfléchissez, dites-moi ce que ça veut dire autour du manger et du boire. Ils cherchent l'argent. Ils cherchent l'argent pourquoi? Ah, je vais construire la maison. Mais la maison, en fait, tu peux l'avoir. C'est pour faire une bonne cuisine. Pour que les gens mangent. Pour que les assassins. Et il y a même un ami qui me disait, un collègue, il a dit, ah, mon frère, tu sais ce qu'il y a à toi? Ce n'est pas le compte là qui est en bas. Ce n'est pas ce que tu vois là-dedans. C'est rien en toi. Tu manges. Tu sens bien. C'est ça que tu vois bien. Le boire et le manger. Est-ce que c'est entré dans ton corps? C'est ça qui est en toi. Il a donné cet exemple. Tout ce qui est extérieur à moi, on peut l'arracher. Mais la nourriture qui est entrée à moi, personne ne la perdra. Elle est à moi. Voyez comment les gens aiment. Et la Bible dit, pour un pain, un homme ne se réduit à rien. Il y en a qui nous cherchent tout simplement la nourriture. Ils peuvent accepter même d'être moins que rien. Juste pour qu'ils prennent à manger. Parfois, ils acceptent des conditions qu'ils ne peuvent même pas accepter. Parce qu'ils disent au finish, il y aura quelque chose pour aller manger. Bien aimé,
Le manger et le boire sont un piège pour l'homme. Ne nous conformons pas au manger et au boire. Parce qu'il arrive des temps où nous devons jeûner et prier. Il faut jeûner et prier. Il faut regarder parfois ces choses de loin. Les laisser. Faire souffrir cette chair-là. Parce que nous la maîtrisions. Parce que si tu es toujours trop plein, tu bois bien, tu manges bien. Tu n'auras même pas suffisamment de temps pour prier. Parce que dès que tu as mangé à 19h, tu es plein là. Si on te dit, prie de 21h à minuit, tu vas commencer la prière et tu viendras dire Amen le lendemain matin. Seigneur Jésus. Et c'est quand tu te réveilles, dis, oh, tu n'as même pas fini la prière. Amen. Amen. Et tout ça, ça dérive du manger et du boire. La discipline personnelle, bien aimée, nous permet même de gérer ce qui fait du plaisir à notre chair. Le manger et le boire. Autre piège. C'est l'adultère ou l'impudicité. Il ne faut pas commettre l'adultère et l'impudicité. Bien-aimé, nous avons médité ce matin. Nous suivons le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous avons médité la lecture de la Bible. Apocalypse chapitre 14. Lorsque la Bible parle de 144 000 qui sont allés vers l'agneau à la montagne de Sion. On dit de ces 144 000 que c'est des gens qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Et non, en qui il n'y a pas de mensonge. J'aimerais insister en disant, se souiller ici, ce sont les adultères et les impudiques. Mais ceux qui sont mariés, qui restent fidèles à leur femme ou mari, ne sont pas concernés parce qu'ils n'ont pas souillé le lit conjugal. La souillure ici concerne ceux qui souillent le lit conjugal et ceux qui s'adonnent à l'impudicité. Bien aimé, nous n'allons pas insister. Voilà ce que la Bible a dit, celui qui fait l'impudicité pêche contre son propre corps. Il est comme celui qui détruit le temple du Seigneur. Et celui qui détruit le temple du Seigneur, le Seigneur le détruira également. Nous le voyons dans 1 Corinthiens chapitre 6. Bien aimé. Les péchés d'impudicité et d'adultère nous guettent tout le monde. Prenons garde de ne pas tomber. Voyez quand Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Il a eu une occasion de tomber. Il s'est retrouvé seul avec cette femme. Et cette femme voulait de Joseph. Mais Joseph a dit, moi je crains le Seigneur, je dois donner honneur à mon Seigneur. Il a fui. Devant ce genre de choses, il n'y a que trois verbes. Le tout premier verbe, fuyez l'impudicité. Il ne faut pas rester là en disant, non, moi je suis fort. Moi je vais résister. Moi je suis plein du Saint-Esprit. Frère, fuyez l'impudicité. Ne restez pas là. Ne dites pas que vous êtes. Ceux qui sont tombés étaient pleins du Saint-Esprit. Ils avaient été nourris de la parole de Dieu. Mais ils sont tombés. Et Dieu les a éloignés de lui. Si tu continues, tu tomberas. Et Dieu t'éloignera. Fuyez l'impudicité. La deuxième chose, le deuxième verbe. Évitez. Vous savez que vous avez une compagnie qui est mauvaise. Vous avez des amis dont le sujet est toujours lié
à la vie sexuelle. Mais évitez ce genre d'amitié. Ne pensez pas que quand vous allez continuer avec eux, vous allez devenir meilleur. Surtout que vous ne prêchez même pas la parole de Dieu. Vous êtes en train de rire de ce qu'ils disent. C'est un piège. Il faut éviter. Il faut éviter. Le troisième verbe, c'est refuser. Refuser. C'est un choix. Refuser de rester là où vous pouvez tomber dans l'impudicité. Jeunes gens qui n'êtes pas encore mariés. Nous sommes fiancés. La nuit, on vous voit dans des coins ténébreux. Mais vous allez finir par tomber. Refusez d'aller dans les ténèbres. Refusez d'aller là où vous pouvez vous exposer. Refusez. Enfin que le Seigneur soit glorifié. Autre piège, mon dévolier, c'est tenter le Seigneur. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns qui périrent par les serpents. Bien aimé, beaucoup de gens se posent la question, comment on peut tenter le Seigneur? Mais c'est lorsque vous prenez la décision, vous connaissez pertinemment bien ce que le Seigneur ne veut pas, mais vous venez quand même. Et vous venez, vous dites, non, ça c'est pour Dieu. Je prends un exemple. Vous travaillez quelque part, vous avez détourné des fonds et de l'argent, et vous arrivez chez vous à la maison, vous dites que je vais mettre à côté la dîme sur cet argent que vous avez volé, et vous venez offrir ça au Seigneur en disant, j'ai donné l'offrande à Dieu, j'ai donné la dîme à Dieu. Ça, c'est tenter le Seigneur. Parce que vous savez que quelque chose de souillé ne peut pas venir en présence de Dieu. Lorsque vous vous réunissez, qui vous demande de souiller les parvis de Dieu? Qui vous demande de souiller les parvis de Dieu? Vous connaissez votre propre vie. Vous refusez de vous répentir, mais vous venez quand même vous présenter devant Dieu, diriger les moments de prière, prêcher comme moi je prêche, tenir l'œuvre de Dieu comme si vous étiez pur. Répentez-vous. Ne venez pas tenter le Seigneur. Parce que ceux qui ont tenté le Seigneur ont péri par les serpents. Le diable rôde comme un lion rugissant. Il va tenter parce qu'il aime les gens qui ne sont pas en ordre avec le Seigneur, mais qui veulent s'adonner à l'activité de Dieu comme s'ils étaient en ordre. Évitons d'être impurs lorsque nous venons à la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Autre piège. Mon défaut. Murmurer. Mon monde. Bien aimé, il y a des gens qui passent leur temps à murmurer. Oh, dans cette église-là, on ne comprend pas. Les choses, c'est telles qu'elles se font. On ne comprend pas. Et même, on ne comprend pas. Mais les pasteurs, les diacres, les anciens, les mamans, les mamans, les départements, on se plaint, on murmure, on murmure. C'est votre vie courant. Quand vous rentrez à la maison, ah, ce pays ici, tout le long, tout le long. Les églises ici, vraiment, tout le temps en train de se murmurer. De murmurer. Parce que Dieu n'aime pas ceux qui murmurent. Ils ont péri par l'extérieur. Bien aimé, pour toute tentation qui peut nous arriver, aucune tentation n'est plus grande que notre force à le résister. C'est ce que dit la Bible. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine.
péchés qui peuvent se présenter à nous. Sachant que nous avons la capacité de dominer sur le péché. Nous avons la capacité de dominer sur le mal. Si quelqu'un qui est chrétien tombe dans le péché, c'est qu'il est tombé volontairement. C'est qu'il a accepté de tomber. C'est qu'il a refusé d'utiliser la force qu'il avait pour lutter contre le péché. Cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Non. Le péché doit être un accident pour un chrétien. Il y en a une vie. Mais nous, si nous faisons du péché une mode de vie, quand on dit, si vrai, revenez auprès du Seigneur, étalez votre cœur devant le Seigneur, vous ne parlez que du seul et même péché. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit vous n'êtes pas brisé, soit que vous n'êtes vraiment pas agréable à Dieu. Il faut vous décider. Décidez-vous de venir au Seigneur. Car c'est en venant au Seigneur d'un cœur sincère, d'un cœur repentant, que le Seigneur agira et nous arrachera du mal qui nous ronge. Frère, s'il y a un mal qui te ronge, parmi les choses que nous avons prononcées, s'il y a quelque chose qui te ronge, prends courage de te tenir debout. Dans tout ce que nous avons dit, s'il y a quelque chose que tu fais qui t'empêche de faire les œuvres que Dieu a préparées pour toi, et que tu te rends compte qu'il y a quelque chose ici dont le Seigneur te reproche, mets-toi debout. Nous allons prier ensemble. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous n'allons pas insister parce que vous connaissez chacun sa vie. Cette cri d'alarme vient de la part du Seigneur. Les temps sont tels que si nous ne nous repentons pas, le Seigneur et nous serons suivis. Nous allons donc lever nos voix. Chacun de nous tel que nous sommes. Chacun connaît sa vie. Il y a des choses que nous devons faire que le Seigneur a préparées pour nous d'abord. Que nous ne faisons pas. À cause des choses que nous avons citées. Chacun va dire à Dieu, Seigneur, me voici. Je voudrais que tu me transformes. J'ai choisi de te servir. Et les bons envoient et dire. Oh Seigneur, tu es fidèle, tu es puissant. Tu m'as montré le chemin à suivre pour que je te sois agréable, pour que je fasse ce qui est bien, pour que je te donne gloire en tout. Oui, Éternel, tu es Dieu. Tu connais chacun de nous. Tu connais nos besoins. Oh Seigneur, donne-nous de chasser l'ignorance. Donne-nous cette grâce de t'appartenir, de marcher avec toi, de façon personnelle. Écoute et exauce mon frère et ma soeur ici, qui s'est mis debout, et dont le problème est connu de toi et de lui. Oui Seigneur, visite-les, visite chacun, afin que nous puissions apprendre des erreurs des autres, que nous ne puissions pas être idolâtres. Éloigne de nous l'idolâtrie. Augmente à nous la foi. Augmente à nous la foi. Afin que nous te soyons agréables. Oui, Seigneur, mon Dieu. Donne-nous la force de fuir, d'éviter et de refuser l'impudicité. Éloigne-nous du mensonge. Éloigne-nous de toute tentation. Oui, Seigneur notre Dieu, ne nous soumets pas à la tentation. Agis en nous, Seigneur, car tu es notre victoire, car tu es notre paix, car tu es notre Seigneur, éternel notre Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné ta parole comme nourriture pour nos âmes. Je recommande ta Sainte Assemblée, Seigneur,
à ta grâce et à sa bonté. Et les bontés qui se sont renouvelées pour nous ce matin puissent agir dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Qu'au sortir de ce temple, que chacun ait un plan d'activité ici de toi, que nous puissions marcher avec cette parole, qu'elle devienne vie en nous, qu'elle produise des fruits, Seigneur, que tu attendes de nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia, Seigneur. Amen.